Est-ce que ça marche? Oh, ça a l'air de fonctionner. C'est pas mal ça. Eh bien, attendez, j'envoie des petits messages. Bonsoir, bonsoir. Normalement, il y a du volume, hein. Merci Drill. Ah ouais, merde, tu regardes peut-être pas le stream. En tout cas, Dream, c'était partagé. Moi, c'était bien parce que j'ai rien présenté cette année. Enfin, c'était bien. C'était pas voulu, mais comme j'ai rien présenté, bah, du coup, j'ai pu voir pas mal de monde côté CPC parce que c'est ce que je suis allé dire aux Suisses en repartant. C'est qu'en fait, je les ai vus se pointer et puis j'ai dit au revoir en repartant. Et puis en fait, je suis pas du tout allé voir du meeting. Parce que là, bah, c'était la fête du slip côté CPC. Donc. Ça faisait bien plaisir de voir tout le monde, dont certains que j'avais pas revus depuis 20 ans facilement. Donc voilà. Alors, j'envoie un petit message. Hein. Le stream commence, blablabla. À la rigueur, je ferai un stop and start. Quand tout le monde sera arrivé. Voilà, c'était juste pour tester que j'avais un beau 664. Voilà. J'aime bien le 664. Enfin, je trouve qu'il est beau. Le clavier est pourri, le curseur est pourri, il est pâteau, il est gros, il n'y a pas de RAM. Mais il est chouette. Je sais pas pourquoi. Salut Coco, salut Chico. Donc, je suis à 6% de CPU, c'est la fête. C'est la fête. Salut Gurney. Oh, c'est vraiment un petit truc ce soir. Salut Zisquire. C'est suite à ma conférence sur l'outil Speedtraster. Il y en a qui m'ont fait une suggestion. Je me suis dit pourquoi pas, on pourrait rapidement essayer. Hein. On pourrait faire un truc, une petite soirée rigolote. Salut Eric. J'attends calmement que tout le monde arrive. On est cool. Je vais peut-être aller me chercher aussi un mouse verre d'eau avec du citron, des glaçons. Le volume est un brin faible. Alors je peux bou je fais exp je parle pas très fort. Je peux booster. Là, je vais le mettre au max. C'est au max là. Après, je peux crier, mais en même temps, solo, bon, j'annule mon live. Alors sinon solo tu peux prendre. Non mais là non parce que sinon ça je vais vraiment finir très tard. Et ben oui, ben Solo Renzo qui est venu squatter à la maison un jour avant, que. Ah que j'ai vu en vrai, ben, comme les autres, hein, donc j'étais content. J'étais très content de voir Solo. Alors Solo, il est ouf, il dort pas. C'est-à-dire que c'était quand même. L'alchimie là, c'était quand même. Est-ce que le son est bon? Ah oui, alors je pourrais. Oh, attends, j'ai. Voilà, enfin plus je m'étais dit, ah ouais, c'est ça que je vais faire. Puisque j'ai ma boîte à meux, je vais m'en servir. Alors, attends. Laisse-moi arriver, Roberto. Attends, laisse-moi arriver, boîte à meux. Où est-il, où est-il? Putain, plus je suis. Ah, je le trouve pas. Je suis mort! Ah, c'est celui-là. Est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est super fort? Est-ce que c'est plus fort que ma voix en tout cas? Parce que j'ai pas le. Quand on bouge Attends, pas, on faudrait que j'ai les meurt? vues mètres. Faudrait que j'ai les vues mètres. Ah, pour contrôler que c'est pas trop fort. Quand on bouge pas, on Ah, ça meurt? doit péter, hein. Le daron, c'est plus fort. Alors attends, je vais faire un test à 50%. Quand on bouge pas, on Ouais. meurt? C'est pas mal. Je pense là, d'après le vue mètre, on devrait être bon ici. Quand on bouge pas, on meurt? Voilà. C'est bien là, merci Eric. Mais c'est pas possible! On fait des jeux de merde! Alors, ma petite boîte à meux, qu'est-ce que j'ai? Je dis clic-clic. Ça n'a aucun intérêt.
aucun intérêt, aucun, zéro. Avec quel imitateur, tu m'étonnes. C'est moche, c'est nul, c'est à chier. Ah, c'est pas mal, je sens que tous ces petits waves, ils vont se retrouver quelque part, ces petits waves. Vraiment de la merde. Rigole pas trop, Zisquire, parce que toi aussi, à mon avis, on doit pouvoir faire des petites choses. Je veux redéfinir les touches. J'ai trouvé. Bah ouais, c'est très bon. C'est très bon. C'est Roberto là qui est dans le chat qui m'a fait tous ces sons-là. Moi, je les ai à peine retouchés. Et là, ce que vous entendez, c'est les versions à 8 bits 15 kHz, donc un peu dégradées. C'est les versions 8 bits 15 kHz avant que je les injecte dans RASM. Puisque bien évidemment, une fois que c'est injecté dans un CPC, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chouette. Alors, je vais mettre. Attendez, je vais juste bouger vite fait. Stack ça comme ça. Ok, bon, on est pas mal là. On est pas mal. Tout est de la faute à Roberto, mais carrément, tout est de la faute à Roberto. Et en même temps. Parce que y a pas encore eu de report. Mais c'est pas de la faute à Roberto, c'est grâce à Roberto. Parce que sa boîte à daron a généré quand même donc une application, enfin son application, mon application, un morceau de musique, une wild compo écran d'épingle. Et plein d'amour. Donc c'est génial. Donc merci Roberto. Nous on s'est éclaté grâce à tes samples. Salut AST. C'est grâce à la faute de Roberto. Moonbeam, salut Moonbeam. CMP, ça y est CMP, tu t'es bien lavé, j'espère, t'as frotté, hein. Bon, je vais arrêter de vous montrer ma gueule et puis on va passer sur autre chose. Donc, j'ai présenté Speedtracer Plus lors de l'alchimie. Et direct, il y en a un qui m'a dit, ah mais puisque tu compares CRTC Cube avec. Attendez, j'ouvre une autre fenêtre en attendant. Puisque tu compares CRTC Cube avec ta troisième version Speedtracer Plus, pourquoi est-ce que. Enfin, qu'est-ce qui t'empêche d'améliorer CRTC Cube? Alors bon, CRTC Cube, bon, la démo, elle a 2 ans. En général, on touche pas trop. Enfin, viens, la démo, elle est sortie, t'as pas envie de remettre les mains dedans. Mais pas du tout. Et moi non plus, hein. D'ailleurs, il y avait des trucs, j'avais dit que je le ferais peut-être, et je l'ai toujours pas fait. J'ai mis ce petit poil là. Comme le petit poil qui était sur le bout de la langue, là. Voilà. Donc, tu fais pas. Et, attendez que je retrouve ça. Voilà. Alors, on va passer sur ma deuxième scène. Je vais fermer OBS, hein. Alors, sur ma deuxième scène, je vous montre. Oh ben, remarque, je vais le laisser comme ça. Je vous montre le serval tel qu'il est dans CRTC Cube. Donc, on peut voir que j'ai mis des sprite arts par là, par là, par là, ici. Et en fait, alors il y a les trois pointes, puis après, j'en ai mis plein ici, puis en fait, c'est pas forcément génial. Du coup, je me suis dit, j'ai préparé un peu. Hein. J'ai préparé un petit peu. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. J'ai préparé un petit peu. Comment est-ce que je peux faire pour. Enfin, je vais essayer de vous montrer tout à la fois. Alors, mon programme ne gère pas le refresh, bien évidemment. Plus, moins, voilà. Voilà, donc ici, en plus, vous pouvez voir directement
La différence donc entre, du coup je vais le réduire un coup, la différence entre, voilà, la V2 et la V3. Donc, puisque c'est un stream, cette fois, et pas une conférence sur un vidéoprojecteur qui avait un peu du mal, on voit tout de suite, alors je vais même enlever les petits cadres verts, voilà, on voit tout de suite ce qui saute aux yeux. Et ce qui saute aux yeux, c'est les couleurs du bras. C'est-à-dire qu'au lieu de récupérer de l'orange et remettre de l'orange dans le bras, là, on a une vraie couleur de chair. Là-haut, bon, là, il y avait deux. Bon, là, c'est pareil. Il y a aussi la trame. C'est-à-dire que là, si j'enlève la trame et que j'en rajoute progressivement, on a moins l'effet. Alors, je vais en mettre. Je vais aller au taquet. Oui. Alors, au taquet, il y a des problèmes d'arrondi. Hop, on va descendre un peu. Pof. Là, c'est pas trop mal. Comme ça, c'est pas trop mal. On a évité pas mal d'effets de scanline ici qu'on a là, dû à vraiment des grosses approximations de calcul. Donc toute cette partie-là qui était vraiment moche, là ici, elle est tout vachement mieux. On a quelques lignes par endroit, bah parce que la palette du CPC est ce qu'elle est. Purée, c'est propre, dit Squire. Bah oui, et encore. Parce que regarde là. Là, tu vois, là j'ai modifié l'organisation de mes sprites. C'est-à-dire que j'ai enlevé ceux qui étaient là. J'en ai gardé deux. Et trois même, et je les ai redistribués. C'est-à-dire qu'ici il n'y avait rien, donc là j'en ai mis un. Il y en avait déjà un là, alors je l'ai remis là. Attends, tac tac. Et par contre, j'en ai remis un là. Maintenant, si j'appuie sur la touche, non pas celle-là, j'appuie sur la touche T. Ah oui, et du coup, j'ai fait les oreilles, j'ai fait les petites oreilles là-haut. Donc si j'appuie sur la touche T, je supprime les petits cadres verts. Et là, on peut voir l'image en preview. Donc, on voit que le haut des oreilles est bien mieux. On voit qu'ici, j'ai le petit point. Par contre, il y a un gros carré autour. Alors, ça, c'est normal, puisque comme vous le voyez dans la partie qui est de ce côté-là, aucun de mes sprites n'a de masque pour le moment. Donc, si je prends celui-là, par exemple, bah là, faut vraiment en enlever un paquet. Tiens, on va dessiner autour. Je vais faire un rond là. Alors, faut faire attention quand on dessine. Alors là, en plus, j'ai la preview en même temps sans le masque. Faut faire attention quand on enlève des couleurs. Ça se voit quand même pas trop, hein. Qu'on se récupère pas. C'est-à-dire, si on en enlève trop, on peut se retrouver avec du mode zéro assez rapidement. Donc là, j'enlève tout doucement. J'enlève tout doucement, hein, pour voir un peu ce qui se passe. J'aime pas trop ce noir là qui est là. Ça fait bizarre. Et en même temps, je crois qu'on n'a pas trop le choix de l'avoir. Donc, ah ben là, il m'a eu là. Bon, du coup, je vais en remettre autour. Parce que je vais en remettre autour. Il n'est pas si facile à enlever, celui-là. Merci Roberto. Bah ouais, ça fait plaisir de faire un soft qui marche bien. Bon, je pense que je vais le laisser comme ça. Celui-là, il est franchement pas compliqué. De toute façon, le seul truc dont on avait besoin vraiment, c'était ça. C'était un détourage au pixel des. Voilà, c'était un détourage au pixel. Ça, on n'en a pas besoin. Ça non plus. Voilà. Donc là, ça permet vraiment d'être beaucoup plus fin qu'ici. On est vraiment dans du détail. Alors,
Simple IM Pedro, notre peuple vaincra. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Dommage que Chris ne soit pas là. Ah oui, tu m'étonnes. Salut Sid, salut. Tu m'étonnes parce que là, il aurait vu, parce que je vais attaquer ensuite la retouche. Lui, tu me diras, on peut le laisser tel quel. Ouais, il choque pas outre mesure. Alors j'ai peut-être, voilà, j'ai peut-être trois quelques pixels en bas là qui. Ceux-là, là, voilà, je vais peut-être les virer, ceux-là, sinon le reste, ça me semble pas mal. Impact, c'est du lourd 130 kilos par gars. Carrément, oui. Alors, ensuite, on est. Celui-là, s'ils sont par ici, ceux-là, je vais pas y toucher, je pense. Là. Je pourrais enlever toute la partie basse. Pour me ménager de la couleur. Là, c'est les dents, bah, tout ça, je vais pas y toucher. Alors ici, par contre, je sais pas ce qu'il a eu, lui. Il a complètement pété les plombs. Il est où celui-là? Je sais même pas où il est. C'est quel sprite celui-là? Je le reconnais pas. Tellement il s'est fait défoncer la tronche, celui-là, je le reconnais pas. Alors du coup, je vais. Attends, déjà, ce que je vais faire, voilà. C'est que. Ah, parce que lui, je l'avais pas retouché. Alors lui, il est où, lui? Toggle. Ah oui, ah, il est là! Il est là-haut! Il est là-haut, je l'avais mis là. Voilà, bon, bah c'est bon, bah, je vais peut-être le refaire. Donc effectivement, dans l'autre, il y était déjà. Alors, est-ce que je le laisse là? C'est-à-dire, si je l'enlève, ça fait quand même un gros pâté. Ouais, il y a quand même. Après, je pourrais. Bah, lui, je peux le mettre ailleurs. Hein. Démoniaque, il est costaud, rude aussi, faut pas croire. Bah, attendez, il est OBS là. OBS. C'est ce côté. C'est bon, c'est bon. Ouais, démoniaque, démoniaque, prends garde à toi. Alors, on repasse sur notre scène tranquillou. Alors, toc toc. Ah, on a un petit effet de bord. Toc toc. Voilà. Alors, donc, où en étais-je? J'en étais à. J'ai un sprite et je sais pas quoi en faire. Putain, mais c'est quoi ce tatouage? Oh là, mais j'en ai plein. J'en ai plein en fait. C'est du binaire. Alors, concours de bras de fer à l'alchimie. Carrément. Bon, faut dire quand même que chez Impact, effectivement, il y a des sacrés costauds. Hein. Dis donc, Chris aussi, il est balèze. Bon, du coup, voilà. Là, je suis en train de me tâter. C'est où est-ce que je mets l'autre? Mais je vais peut-être, je sais pas, je vais peut-être le remettre là quand même. Oula. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? À peu près intelligemment. Ce Lorenzo, il ne code que de ce bras d'ailleurs. Bah en tout cas, c'est la souris, c'est sûr. Hein, la souris, c'est sûr. Bon, alors pour l'instant, je me promène. Hein. Alors, j'en profite, hein, parce que je sais pas si vous l'aviez vu la dernière fois, mais là, vous voyez par exemple, quand je bouge mon carré, toutes les couleurs en dessous, là, elles bagotent un peu. Et ça, c'est parce que tous les calculs sont refaits à chaque fois. Donc, ça nous modifie bien tout. Du coup, ouais, est-ce que je mets là? Est-ce que je mets là? Bon, bah finalement, je vais le laisser par là. Du coup, je vais virer le jaune. Ça fera plus de couleurs, je pense. Voilà, pour lui. Évidemment. Si je fais un T, bon, bah finalement. Bon, le bleu est un peu. Ouais, mais en fait, il est quand même clair. Hein. Il est quand même clair, d'accord.
Donc là, celui-là, il a été retravaillé. Celui-là, il bouge pas. Les yeux. On peut faire ça. Parce que ça, c'est pas besoin. Là, moi, j'ai juste besoin d'avoir ici l'inclinaison. Mais une fois que je l'ai, le remplissage derrière, j'en ai pas besoin. Je vais. Voilà, je fais un T pour les supprimer. Donc là, je vois que les sprites, ils s'intègrent bien. Je vais faire tout de suite une petite génération. Alors, Zisquire, quelle différence d'utilisation tu ferais entre SpeedTraster Plus et IMPedro 2? Alors, IMPedro, c'est pour la création. SpeedTraster Plus, on est vraiment pour de la conversion haut de gamme, on va dire. Parce que j'ai aussi un éditeur de pixels. Mais c'est de la conversion. Tu peux pas créer de zéro avec SpeedTraster. IMPedro, tu as vraiment de bout en bout de la chaîne. Alors, on va passer maintenant sur les pics. Alors là, ça doit être ce pic-là. Donc lui, c'est pareil. J'ai pas besoin de tout le rouge. J'ai pas besoin de tout le rouge là qui est là. Moi j'ai juste besoin d'avoir de la. Oula, j'ai juste besoin. Je me suis planté. J'ai juste besoin d'avoir de la définition sur ma pique. Alors je peux même. Voilà, enlever le cadre vert. Comme ça, on voit ici qu'il y a un halo bien pourri autour des piques. Et là, je viens de l'enlever en éditant le masque. Ok, il faut d'abord avoir une base. Oui, alors là, la base, c'est un dessin qui est en 16 millions de couleurs, la base ici. Hein. Donc là, on va prendre le deuxième pic. Et on voit que pendant que j'édite le masque, on va voir ici que l'espèce de truc kaki, là, voilà, je vais prout, 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 je vais faire disparaître petit à petit. Donc là, hein, je vous en retouche un. Je vous le retouche en direct, celui-là. Tac, tac, tac. Tac, voilà. Je peux même enlever ça. Je peux enlever ça, c'est pas mal. On va passer sur le dernier pic. Bon, lui, il y avait vraiment pas mal de crottes là sur ce dernier pic. Donc l'intérêt de faire ça, non seulement on enlève la crotte, hein, mais en plus, comme on va enlever des couleurs du sprite hard, parce que là pour l'instant ce qu'on voit c'est que tous les premiers sprites qui sont verts ici et là, ils partagent la même palette. Donc ça va libérer un peu des couleurs. Ici ça devient blanc, ça veut dire que lui il a sa propre palette. Donc là en fait j'ai que trois groupes de sprites. C'est-à-dire tous les sprites du haut là, ils partagent la même palette. Alors ensuite. L'oreille qui est là-haut, et eh ben c'est pareil. On va se la. Ouais, attends, fais voir ça. Ouais, non, elle est mieux. Hein. Il n'y a pas à dire, elle est mieux quand même. Elle est mieux comme ça. Et celle qui est là-haut. Et ben, on va se la mettre comme ça. Je fais approximatif, hein, mais elle est mieux. Voilà. Donc là, on voit vraiment cette oreille qui a plus de dégradé, plus de finesse rapport à l'ancienne version. On voit qu'ici, il n'y a pas de violet. Là, je me récupère un violet et donc du beige pour les bras. Là, c'est tout dans l'orange et. C'est pas un violet, c'est une autre couleur. Donc là, vraiment, là où lui, il prend le violet, il met du violet partout. Là, on a bien un autre violet, c'est pas le même, avec du bleu. Et là, regardez l'arrondi du crâne aussi. Ici, le crâne, il s'est tapé une vieille skyline. Bam, il a carrément pas de jaune, le crâne. Ici, le crâne, il est rond. Donc vraiment, là, quand on compare les deux. On aurait les mêmes couleurs. Bah oui, t'as les mêmes couleurs. Par contre, comment dire, là, ce qu'il faut voir, c'est que là, entre guillemets, c'est moche parce que tes pixels sont carrés.
C'est-à-dire que, oui, c'est la palette du CPC+, tous les calculs sont faits pour le plus. Donc là, quand tu le mets sur un écran cathodique, ça va te relisser par derrière. Et par devant, hein, aussi, hein, on n'est pas monomaniaque. Donc on voit vraiment, pareil, là, ici, là, il met du jaune, alors qu'ici, j'ai un bleu clair. Là, il a mis du jaune. Ici, j'ai plein de niveaux de bleu. Donc vraiment, voilà, ça c'est la preuve que le Speedraster plus V3, il se débrouille beaucoup mieux. Alors, puisque je suis là, donc dans celui-là, je crois que c'était 320 couleurs. Et donc lui, si je fais un G pour le générer, il va me dire quoi? Là, il me dit qu'il y a 550 couleurs. Donc là, c'est assez énorme. 550 couleurs. Où est mon... Je retrouve plus ma fenêtre. Elle est là. Tac, tac. Donc la nouvelle méthode de calcul, voilà, ça utilise l'ASICS RTC FX. Donc là, on se retrouve avec... On a quasiment deux fois plus de couleurs que dans ce qui était sorti avec CRTC Cube. Donc là, j'ai généré. Maintenant, je vais regarder vite fait le dessin. Et là, ce que je vois, bon, je suis pas graphiste, hein. Il y a juste un petit truc qui me chagrine. C'est ici, il y a une espèce de ligne droite. Ça fait comme une ligne, un effet de scanline. C'est-à-dire qu'il reste par endroit des petits défauts de calcul. Il faut voir que l'image avait beau être en 16 millions de couleurs, c'était pas une image avec des gros dégradés. Donc là, je vois qu'ici, je me suis tapé un petit effet de scanline. Et là, je vois qu'il y a deux pixels disgracieux. Alors là, on va dire que c'est au niveau de mes compétences de modifier 10 pixels. Donc là, maintenant, je vais locker l'image. Je la lock. Et... Oh putain! Ça a encore dumpé. Bon, il reste un bug. Heureusement, j'avais tout enregistré. Ou pas? Ah, alors, oh tiens, c'est intéressant. Il m'a pas enregistré tous mes réglages de... Si, il m'a pas enregistré tous mes réglages. Normalement, il aurait dû m'enregistrer tous mes réglages. Ouais, me charriez pas. Bon, j'ai quand même récupéré tous mes masques, hein. Ah, c'était peut-être lui qui... C'est pas lui qui était... C'est pas lui qui était un petit peu plus. Attends, je vais enlever les petits sprites. Oh, bah remarque, il est pas mal comme ça. La malédiction. Ouais, j'ai pas regardé quel était le souci. Alors, attends, je me demande combien un C64 peut avoir de couleurs. Alors sur C64, ils ont fait un système pour avoir 128 couleurs en bidouillant. Je sais qu'ils ont fait d'autres méthodes. Après sur C64, on est vraiment dans des... Là, je vais faire exprès de pourrir les... De pourrir. Là, je vais monter à mort les contrastes. C'est pas beau, hein. Donc sur C64, je sais qu'ils ont fait des chouettes trucs. Donc là on avait dit on va à fond et on revient un peu en arrière. Donc on a toujours notre bleu, mais là c'est moins bien là. Cette zone ici elle est moins bien. J'arrive pas à voir un peu les couleurs que j'avais tout à l'heure. Comment j'avais fait tout à l'heure? C'était peut-être comme ça, non? Quand j'avais mes deux pixels de jaune là qui se battaient en duel. C'est un comble ça, si je recalcule pas pareil. Alors, c'était peut-être comme. Attends, je vais retrouver. Ah, c'est ballot ça, j'ai pas dû faire une régénération avec tous mes réglages. Ah si, c'était avec ça. C'était peut-être avec celui-là.
C'était peut-être en touchant les niveaux. Ah, vraiment? Hyper légèrement les. Ouais, c'est très sensible, hein. On va toucher très légèrement les niveaux. Bon, ça, faut pas. Ah non, on va quand même essayer de faire un truc méga beau, quoi. Ah, y avait, ah ici, il y avait les violets se démarquaient un peu, là. Ah, on avait vraiment le violet qui commençait à se démarquer. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Je vais peut-être calmer un peu. Ah, voilà, plus comme ça. Bon. Comme ça, c'est pas mal là. Donc là, si je fais une génération, ah là, j'ai 509 couleurs. J'en ai moins que tout à l'heure. Même le blanc et noir sont gris. C'est méchant, mais c'est méchant. Bon, là, je suis toujours un peu déçu. Ici, c'est mieux. Par contre, là, j'ai l'impression que c'est moins bien. Bon, globalement, c'est sympa. Alors, on va repartir. On va retenter. Je lock l'image. On voit ici mon petit pixel d'édition. Ah mais du coup j'ai plus rien à éditer. Ah c'est ça, j'ai plus rien à éditer. Si là, je pourrais éditer ça. Ah en fait c'est quand je vais trop bas. Ah c'est peut-être ça le problème. Et là si je reviens, là j'ai récupéré mes réglages. Non non bon bah écoute. Bon, c'est dommage, je vous aurais bien fait le coup du. Oh, je vais retenter quand même. En fait, c'est quand je vais trop bas, donc faut pas que j'aille trop. C'est quand je vais trop haut aussi. Lock. Ouais, bon. Je peux aller ni trop bas ni trop haut. Bon, on va rester là-dessus. Je vais juste toucher à mes curseurs de réglage. J'aurais bien aimé quand même que mon violet, là, il soit un peu mieux. Ah, comme ça. Voilà, parce que moi, ce que je voulais, c'était que le fond qui est ici, si vous voyez bien mon curseur de souris, moi, je voulais que le fond se détache des bras. Donc là, on est bien. Ah, voilà, c'est presque ça. 543 couleurs. Donc là, il m'a généré des fichiers. Je vais donc m'en aller. Je vais regarder vite fait la taille de mes fichiers. Donc j'ai un serval.asm qui vaut 39 kilos. Alors ce que je vais faire déjà, je vais faire une cartouche tout de suite de test avec RASM. Et là, il me dit. Eh oui, il me dit que c'est pas bon parce que c'est comme ça que je l'ai enregistré, donc c'est comme ça qu'il faut la compiler, non? Ouh, j'ai un offset relatif trop lointain. Ah, bah en fait, il y a tellement de couleurs dans celui-là. 39 kilos de code, ouais, mais ça va aller plus vite. Alors, il y a tellement de couleurs, je pense, que là, ça pète complètement. Alors, du coup, expression, gna gna gna, not found. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai modifié des trucs. J'ai modifié des trucs. Qu'est-ce que j'ai modifié? HSP coordinate, Rastaloup. Alors, ici j'ai un JR Rastaloup. Et on a le Serval. VI V3 Serval.asm. Et alors? Quel est le problème?
Je vois pas trop pourquoi ça poserait problème. On a fait un read. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? T'aurais été sous Windows, t'aurais eu un écran bleu, exactement. Alors par contre, là, j'étais en plein dans des modifications de RASM. J'ai pas eu le temps de m'y remettre ce soir. Donc j'espère que c'est pas ça le problème. Ah! Il me dit file not found. Oui. D'accord. Oui. Alors faut faire point slash non. Oh là là là. Ok. C'est bon. J'ai pigé. C'est parce que là, c'est dans ma génération. En fait, du coup, c'est un. Non, en fait, c'est un bug de RASM. C'est-à-dire que si tu lui mets pas point slash devant, il plante, il trouve pas les fichiers. C'était ça le problème, il trouve pas les fichiers. Donc ça c'est une petite crotte qu'il faudra corriger. Non, c'est toujours pas bon. Et là pourquoi il me dit point slash V3? V3. Oh là là. Alors du coup CD Ouais, alors là, bon, ah oui, parce que en fait, j'aurais jamais dû le lancer avec le répertoire. C'est surtout ça. Alors, on va faire split sdl.exe serval.png. On va se mettre là. On est d'accord que c'est la bonne image. Je lance une génération. Je me casse. Et là, je vais pouvoir compiler. Et là, la cartouche compile. Voilà. Alors, serval cpr.cpr, je la mets là-dessus et je prends Windows pour lancer Winape. Pardon, alors. Donc là, on est sur Winape. Et on a l'image avec nos sprites. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Parce que du coup, là, alors oui, justement, on a là, c'est ce que montre notre ami Rasm. Quand j'ai compilé la cartouche, on a nos deux écrans ici. Là, j'ai mis 2 kilos, c'est les sprites dans une banque. Et tout ce qui est initialisation de cartouche, couleur, sprite, code, ça fait 11 kilos 5. Ça fait 11 kilos 5. Donc, je vais retourner. Dans RASM. Et je vais créer un répertoire CRTC cube 1.1. Ok? Dedans, il doit y avoir un serval avec un fichier assembleur. Là, il faisait 37 kilos, il faisait pas 39, il faisait 37. Et on a tout le reste. Et on va voir si ça tient. On va voir si ça tient comme ça. Alors, il y a eu entre-temps quelques petites modifs. Donc, mes écrans sont pas pareils. C'est pas dit que ça passe sans modifier la rupture. On va quand même vérifier. Alors, du coup, tilde code cpc split, on était dans V3, serval.sc s étoile point,
Et puis le assemble. Alors je vais pas tout de suite péter le assembleur. Je vais vérifier que celui-là, c'est juste un fichier généré. Voilà, donc là on est avec split 5v2. On a des coordonnées, on a un truc qui s'appelle Rastaloop. En bas, on a NopNop. 340 couleurs, c'était. Je m'étais planté sur le maximum théorique. Donc du coup, je vais copier l'assembleur là. Les timings sont un peu différents. Là, c'est le V8, ça commence pareil, c'est les mêmes labels. Donc normalement, la démo, elle doit compiler, sauf si c'est trop juste. Pourquoi c'est lent? Ça devrait être instantané. C'est pas normal. Ah, je dois être en debug. Bon, là, je suis en debug, c'est pas possible. Wow. Attends, il y a un problème. C'est quoi ça? Là, il y a un gros souci sinon. Je pense qu'il y a un bug là. C'est ma veine habituelle, ça. Chaque fois que je développe, je termine pas des trucs. Il y a mon rasme qui plante. Putain, pourquoi? Ah, toi, il y a des soucis là. Ah, en fait, il m'a pété. C'est parce qu'il m'a pété des milliers. Oh la vache. Il m'a pété des milliers de warnings. C'est peut-être ça qui l'a ralenti à mort. En 778, il m'a pété des tonnes de warnings. En tout cas, il a compilé. Waouh, c'est quand même pas les warnings qui l'ont ralenti comme ça. C'est bizarre. Bon. Écoutez, on va juste envoyer ça pour voir. Hein. Dans une cartouche. Puis on va regarder. Oh! Alors déjà, lui, il a complètement pété les plombs. Ok, donc déjà on n'est pas bon. Alors le haut de l'image est à peu près correct, ça c'est marrant. Par contre le bas est pas bon parce que je devais couper mon écran plus en deux. Et ah bah oui, on le voit là. L'image est trop haute. Une valeur de 100 sur 8, il n'est pas. Ouais, mais. Oui, alors il y a une version 116 là qui doit sortir bientôt bientôt. Mais là, c'est bizarre que le stream de route va exploser. Donc là, on a au moins le début. En tout cas, on sait que ça tient en taille. Après, il faut juste changer. Donc ça, on va le voir. On va le voir où. Ça va pas être compliqué. Je prends. Ça va être Rastamix. J'aurais dû mettre plus de commentaires. Alors, c'est ici. Voilà. Là, je mets un split screen à la ligne 136. Ok. Et donc, si je regarde, parce que donc les dernières modifs. Le split screen, je l'ai mis à. J'ai dû le mettre beaucoup plus bas. Je l'ai mis comme IMPedro, j'ai fait exprès. Pedro, il est où mon petit Pedro? Alors ça, on voit bien que c'est du. Ah, je l'ai mis en 167. Ben, 6801.
1,167. Ok. Donc ici, il faut juste lui dire d'aller plus loin. Et normalement, il va dépaquer. Ouais, alors il a dû stocker les deux écrans, je sais pas où. Et puis voilà, tout le reste. Donc ça déjà, on sait que ça marche maintenant, normalement, si je fais ça. Par contre, le coup de l'ondulation qui fait n'importe quoi. Attends, je suis curieux là. Je vais retourner dans CRTC Cube tout court. Ça rame, mais pareil, quoi. Waouh! Et il me pète des trucs là. Alors, viens, c'est dans ondule. Avec des zéros en plus dedans. Wow! Ah oui, alors. Actuellement, donc j'ai pas mal travaillé. Oh, bah c'est intéressant d'avoir vérifié ça, dis donc. Actuellement, j'ai pas mal travaillé sur la déclaration des structures. Je m'en sers pas dans CRTC Cube. Mais du coup, j'ai beaucoup touché au DFS, DFB, DefWorld, enfin tous les DEF, je les ai modifiés. Pour que quand on déclare une structure, on soit plus obligé. Attendez, je vais vous faire un bout de code. Je vous le fais en gros en plus. Voilà, alors VI struct. Donc actuellement dans RASM, si on veut déclarer une structure et qu'on veut mettre alors voilà. Label 1, qu'on veut en faire un DFB, on est obligé de rajouter. On est obligé de rajouter des trucs comme ça. On est obligé de faire ça. Et là, on a terminé de déclarer une structure. Maintenant, quand on déclare une structure, on peut faire ça. On n'est plus obligé. Voilà. Parce qu'on est dans une déclaration de structure. Après, si on déclare ça et ça. Et eh ben quand on se servira, quand on dira ma struct réel, et eh ben là il va déclarer une structure ma struct réel de type ma struct qui est là et il va remplir automatiquement avec 5 et 5. Voilà, donc ça c'est les petites nouveautés qu'il va y avoir. Par contre là, du coup, ça veut dire que j'ai pété, ça veut dire que j'ai pété le DFS. Et ça a dû déconner plein de trucs. Je voudrais juste regarder vite fait. Le DFS, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Syntaxe machin, machin. Qu'est-ce qui a pu changer? Ah ouais, je sais, j'ai voulu faire un truc. Vivement les modules. Ouais, j'ai changé un truc, d'ailleurs, je dois l'avoir mis dans la future mise à jour. Sur le More Flexibility with DFS Value. Sauf qu'en fait, ben c'est pas si flexible que ça. Où j'ai trop flexibilisé. Voilà, c'est-à-dire que actuellement on pouvait faire DFS quelque chose virgule une valeur et je crois que je devais pas évaluer, je devais pas évaluer le contenu. Mais pourtant ça devait se faire que si on faisait.
Comment ça, mon compilateur Rasm n'est pas en Rasm? Non, il n'est pas en Rasm. Alors là, j'avais keep flexibility, mais c'est peut-être là que ça va pas. Ah, mais c'est un bug. En plus, c'est un bug. Bon, ben j'ai bien fait, parce que c'est plus un. En fait, là, au lieu de faire, j'avais écrit défaisse 256,0 et il faisait un défaisse 256,256. Je pense que le gros problème venait de là. Du coup, Rasm, la V1. Par contre, c'est toujours méga lent. Et là, je ne l'explique pas trop, mais ce ratage. Ouais, non, mais là, en plus, là, j'ai la haine parce que c'est super lent et je pige pas pourquoi. Sauf si j'ai laissé des. Sauf si j'ai laissé des cochonneries de debug. Parce que j'étais en train de débug. Ah, mais oui, c'est peut-être ça. Bref. Bref, du coup, je la recharge. Ah voilà, donc là l'ondulation elle fonctionne. Et normalement. Et voilà, il est vachement plus beau. Donc maintenant c'est bon. On a donc le serval, donc voilà, on a déjà un début. Rasmelan, je fais un screenshot. Ouais, non, non, mais c'est ma version de dev. Donc voilà, donc là on a déjà un début de CRTC cube patché. Ensuite. Pour ceux qui s'en rappellent, blablabla. Non, pas encore. Et ici, normalement, juste après, il y a une guêpe. Je sais pas si vous avez du son derrière le son de la démo. Ah tiens. D'ailleurs, là, on l'a vu. Voilà. Donc là, dans la version qui n'a pas été diffusée, il y avait un curseur tiens, qui permettait de gruger. Et ben l'idée ce soir, et ben c'est de gérer le curseur. C'est-à-dire que la guêpe, elle va être sur sa position de base, et nous avec le curseur, on va pouvoir la faire bouger à l'écran. Et va falloir quand même borner, hein, va falloir borner un peu le truc, mais voilà, donc ce soir. Comment j'accélère Winamp à la volée? Ben, c'est Shift F4 et Shift F3. C'est raccourci. Raccourci ultra standard de Winape Scrunch. Alors pourquoi mon rasme est lent? Hein, pourquoi il serait lent? C'est quand même pas la trace ici qui change quelque chose. Je vois pas trop ce qui pourrait l'embêter. LOL ultra standard que je ne connaissais pas. Et ben voilà, Shift F4, Shift F3. Moi c'est comme ça que je jouais à GNG en 1000%. Alors tiens, tant que j'y suis. Parce que comme je trouve qu'il est méga lent, je pense qu'il y a peut-être une. Il y a peut-être une vérif dans un coin là qui nous fait des bêtises. Mais en fait, il reste plein de place hein, dans cette démo. Hein. Il reste 4 kilos là, il reste 4 kilos, il reste 5-6 kilos. Il reste 4 kilos, il reste 5 kilos. Ah ben, serval screen, il reste 5 kilos.
Il est où l'autre serval scream? Il est là. Bon, lui, 1 kilo. Mais Erastamix, je l'ai mis où? Rastaboul, c'est pas là. Big Plasma, Rastamix, ah ben c'est là. Le Rastamix, pareil, il restait plein de place. Alors du coup, si je relance... Il a l'air d'assembler. Alors qu'est-ce qu'il fait? Oula, alors déjà c'est... Les ORK. Donc là, check ordi, trace à sonde. Fin de la liste de mots. Donc là, non. Non, bah alors là, franchement, je sais pas ce qui lui arrive. Ou alors, c'est les. Plus d'erreur, il est juste devenu lent. Non, mais c'est malheureux, le truc était instantané sur un. La démo, elle compilait instantanément avec un pauvre atome. Et là, je me retrouve avec un CPU Ryzen. Et ça va hyper lentement. Moins elle marche native. Ah, moins G. C'est peut-être le moins G alors. Qu'est-ce qu'il fout là, le moins G? Moins G, c'est pas les symboles de debug. Pourquoi? Bah ouais, manger. Ah, j'avais dû tomber sur un bug. Oh, on va voir. J'avais dû tomber, ouais, sur un bug qui n'arrivait qu'en optimisation 2. C'est probablement pour ça. Bah ouais, en plus, c'est RTC cube, c'est ça. Il y a à peine un méga de source, donc ça devrait pas aller. Ça devrait pas prendre du temps. Bah non, mais c'est toujours aussi lent. Oh! Truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bon, bref. Bon, c'est un peu la honte. Donc on disait, c'est pas grave, on va toucher à la guêpe. On va aller toucher à la guêpe. Donc RTC cube V1. Alors notre guêpe. Je vais pas faire comme ça. Voilà. Alors la guêpe, qu'est-ce qu'on a pour la guêpe? On a des sprites des sprites pour le faire les touches. On a un point PAL, c'est la palette. Tiens, on a un CPR de test. Je savais même pas. Alors, CPR test, il fait quoi? Ouais, je suis pas sûr qu'il marche le. Je pense que c'est le vieux CPR de test, à mon avis. J'essaierai pas comme ça. Ouais. Ensuite, on a GenMotion, GenRasCode, NewFong et Fong. Ah, alors NewFong et Fong. Alors, du coup, on va peut-être regarder. Ce qui se passe. Nous, on a le GenRas code, on a ROM texture. Il doit y avoir le code de l'abeille quelque part. J'aurais dit Newfong, hein, à vue de nez. Où est-il? On a indult encore, on a plasma, tu. Newfong, voilà, ROM bicode, c'est Newfong. Donc on va ouvrir Newfong, voilà.
Alors, on se met tout de suite comme il faut niveau mémoire. On installe des interruptions. Alors, les interruptions. Donc, c'est ça. Blablabla. Qui permet de jouer la musique. Puis après, qui revient comme il faut. Et ensuite, on prend bicode, on met en 8000 LDR JP. Voilà, donc il faut aller chercher bicode. Hein, c'est pas très compliqué. Bicode est là. Voilà, bicode start. La maladie du décart. Alors, crappy clear screen. Ah ouais, vraiment violent. Hein. Je fais ça au LDR comme un goré. En plus, j'ai plein de place. L'abeille, c'est, je sais plus, enfin, c'est un truc ridicule. C'est genre 2 kilos de code et après c'est que des connexions de ROM. Patch final release. Ah oui, ça c'était pour pas qu'il y ait les sprites du curseur. Hop, j'ai enlevé ça et hop, il n'y avait plus le sprite du curseur. Donc on a dit on le garde. Blablabla. Ensuite, int binstall, bon bah là on met l'interruption, les bits textures. En plus j'ai mis bi alors que c'est wasp, hein, c'est une guêpe. Hein. Donc là c'est toutes les connexions de ROM bien rigolotes. On a la séquence. Tiens, j'ai mis un calage l'arrache. Séquence CPT. Ah oui, ça c'est la durée de la séquence. Donc d'ailleurs, si je veux que ça tourne à l'infini, temporairement, non, c'est l'inverse. C'est-à-dire, voilà. Je vais mettre un tag infini, mais voilà, on va louper indéfiniment. Après, ça va peut-être planter au niveau de la musique, hein, on verra. Alors, int bremove, et après, on lance le scroll. Alors, bidraw. Alors, ça se passe comment, bidraw? On fong vecty. Ah oui, on a deux vecteurs à additionner et on a la bscreenposX. Alors du coup, qui s'amuse à modifier celui-là? LDHL screenposX. Ah, bx scroll séquence. Donc je suppose que. Je suppose que je dois avoir quelque part une table avec des sinus ou quelque chose. Ah, mais ça va peut-être pas être là-dedans. Calculer valeur de départ avec un écran idéal. Blablabla. Écran cubique. Blablabla. Ouais. C'est encore pire que ça. Ah ouais, j'avais fait un truc. Alors, voilà, de mémoire. Ah ouais, j'avais fait un truc en fait. Je gère même pas vraiment des coordonnées X. Enfin, là, si, mais c'est à base de registres qui décalent l'écran. Et c'est dans cet intervalle-là que je me déplaçais. Et voilà, parce que là j'ai un bscroll right et un bscroll left. Et selon ce que je fais, je vais à droite ou à gauche. Et donc du coup, bah c'est bien ça, on a bien un truc là qui est la séquence. Je vais enregistrer grep-i clac étoile.asm. Ah ah! Eh oui, j'avais tout mis dans une ROM, donc c'est dans ma ROM texture. Ario. Voilà, dans ma ROM de texture, j'ai ma texture.
Et je dois avoir. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est des adresses. Cubic split table, Y sinus. Voilà, j'ai plein de trucs. Ah, merde, putain, c'est. Oh, c'est bien claqué, quoi. Oh, goré. Ah, ouais, X. Ah, si, si, je me rappelle. Ah, ouais, j'ai claqué ça. Putain, c'est pas. Mais c'est pas trop gênant. C'est-à-dire qu'en fait, ça doit correspondre à des déplacements. Soit je me déplace de. Soit je recule, soit j'avance. Et j'avais fait une sorte de sinus. Ouais, d'ailleurs, j'avais dû calculer qu'un sinus. Je vais juste vous demander. Deux petites minutes, je fais une pause technique, j'en peux plus, je reviens. Oh putain, j'ai cassé les chiottes là. Exactement, ouais, c'était, j'en pouvais plus. On en était à le code qu'on voit ici. Tiens, d'ailleurs, tant que j'y suis, est-ce qu'on peut faire ça? Je fais un boum 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 vidéo capture. C'est pas ça que ça. C'est pas ça, hein? Non, ça n'a pas marché. Attendez, hein, je vais essayer de faire un truc.
C'est quoi? Sur celle-là, c'est un vidéo capture VKTL2. Eh ben, vidéo capture device. C'est pété. Marche pas. Use buffering. Je sais pas, ça marche pas. Je voulais rajouter la petite webcam dans un coin. La malédiction de Tarodus. C'est vrai, Tarodus, il le fait assez souvent. Ben là, moi, j'ai une malédiction aussi. C'est que là, j'arrive pas à... Dans copie. Paste. Ah, ben là, ça marche. J'ai fait copy-paste, là ça marche. Mais voilà. Je vais me mettre en pas trop gros, hein. Je vais pas non plus m'imposer. Tac. Alors, ça on peut le zoomer aussi, hein. C'est pas très méchant. Voilà, clac. Ça je referme. Il y a un sample de porte qui grince. Je l'ai pas compris celle-là. Je l'ai pas compris. Tac 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 tac. Tiens, attends, je voudrais juste voir un truc là. Ouais, c'était avec ça. J'aurais juste faire. Ah, putain, j'ai peut-être une explication. Enfin, quand même, c'est bourrin, hein. À propos de Rasm qui rame, mais quand même. Ah, c'est peut-être OBS qui le. Parce que mon VirtualBox il me bouffe 4%, par contre la OBS, la vache, il me bouffe 66% de CPU. Alors c'est peut-être parce qu'il a mis peut-être parce qu'il a mis la qualité au taquet. Parce que donc si je fais ça. Ah c'est ça. En fait je suis. Ah non, là il passe à 100%. Non, bah, pourtant normalement il prend bien le CPU. Non, bah non, mais il doit rester des conneries de. Il doit rester des conneries de debug dans un coin. Mais bon, OBS me bouffe pas mal de CPU. Ah oui, c'est vrai. Oui, sa porte de cuisine qui grince. Un sample de porte qui grince, ouais, dans manoir de la vieille morte. En fait, je crois que c'est toutes les portes qui grincent dans le manoir. Alors, on en était à. On va dans le fong, mais on veut. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut. Tabababa. Tiens, je vais chercher dans ma boîte à meux. Comment. Elle est où ma cartouche de boîte à meux? Bah, c'est dans init cartouche. Donc ça c'est le code de ma boîte à meux. Et donc bah ouais, j'ai une liste de samples. J'ai déjà dû vous le montrer. Et puis je charge des waves, j'en fais grâce à la fabuleuse option DMA, j'en fais des DMA list en un rien de temps. Et voilà. Donc là on a toutes les données de la boîte à meux, c'est ça, c'est tout. Après j'ai une table qui pointe sur ces données. Et puis j'exécute. Alors donc dedans il y a une super fonction voilà, qui s'appelle scan keyboard. C'était juste ça que je voulais reprendre. Copie. Ensuite je prends newfong. Et ici on a bscroll horizontal. Nanana, nanana, LDA, virgule HL, CPAA. Voilà. Alors. Plus 90, je sais même pas pourquoi il y a. Ah, si, alors si, je sais. En fait, le plus 90, c'est parce que dans la démo, je veux que quand l'abeille arrive, elle soit d'une certaine façon. Voilà, c'est pour ça. Donc. Attendez, hein. Là, c'est au moins un truc. Il y a au moins tout ça à dégager. Ret.
Là, j'ai un ret. Donc, en gros, je peux me mettre ici. Ben, scan keyboard. Et dans keyboard buffer, j'aurai mes touches. Voilà. Du coup, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais lire dans mon tableau. J'incrémente, je rebalance ici l'adresse de là où je suis dans mon tableau et je compare à AA. AA qui était mon marqueur de fin. Non, pas celui-là. Je vais vous montrer là. Je mets la fenêtre en dessous. Voilà. Attends, il va falloir que je réduise si je la zoome. Tac, tac, tac. Donc on a dit que dans la code RASM V1 Fong, on a dit que c'était dans la ROM texture. Voilà, dans la ROM texture, ici, on... tiens, GenMotion, enfin je regarde GenMotion, c'est encore autre chose. Voilà, donc ici on a AA qui nous termine le tableau. Donc là c'est négatif, 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 positif, positif, avec plus ou moins sinus. Alors on va peut-être pas faire la courbe d'accélération ce soir, mais... mais on va faire ça. Alors, je vais compter à tout hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42. 41, 43, 45, 46, 48, 9, 50, 52, 53, 6, 7, 8, 60, 61, 62, 3, 5, 6, 66. Donc on descend de 66. Et je suppose la table doit être symétrique, on doit monter de 66, ce qui nous donne un peu plus de 128 d'amplitude. Ok, donc, alors, je vais juste regarder mon GenMotion. GenMotion, je pense c'est autre chose. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça, c'est du code généré par à la base. C'est tous les mouvements de... c'est l'articulation de l'abeille. Quand il y a la tête et le corps qui fait comme ça, c'est ça. Et on peut avoir différents GenMotion. Normalement, ça doit être bon. Hein. Touk, touk, touk. Alors, le AAA. Donc là, qu'est-ce qu'on en fait? Toute la question était là. On prenait... on récupérait la valeur. Ah oui, c'est juste ça. Voilà, c'est ça. C'est on prend le POSIX et on ajoute ou non la valeur au truc. Ok, donc on modifie le... ok, on modifie simplement la valeur de POSIX. Et si on... oui, voilà. En plus, ça va à l'inverse de ce qu'on fait, puisque les valeurs des registres, quand ça décrémente, on va à droite. C'est un peu l'inverse du sens logique, on va dire. Puisque ça correspond, pour faire le décalage, à raccourcir raccourcir, c'est la position de notre HBL. Alors là, je fais quoi? CP50, left OK. Là, je force. C'est quoi cette histoire? Ah oui, ça je le fais à chaque fois en fait. Hein.
Donc là, je me décale. Ah, c'est-à-dire qu'ici, j'ai la position. À partir de la position. Ah non, mais c'est bon. À partir de la position, il. À partir de la position, il. Comment dire? Il recalcule les registres. Alors, est-ce qu'il plafonne? Toute la question, c'est là. On dirait qu'il plafonne. Ouais, c'est plafonné. C'est-à-dire si on arrive trop bas, si on arrive trop bas, il va plafonner là. Et dans l'autre sens, il plafonne aussi. Donc en fait, je peux n'en avoir. Raffo, yeah, bien remis, bien sûr, bien remis. Donc je vois que mes fonctions étaient plus ou moins déjà prévues pour gérer le clavier. Je peux n'en avoir rien à foutre. Du coup, tout part à chaque fois de screen posix. Donc tout part à chaque fois de screen posix. Et ce que je fais, c'est qu'à chaque fois. Attends. Attends, mais non, je me suis planté dans le sens. Bon, bref. Bref. Ici, je prends. Je vais faire un call scan keyboard qui est au-dessus. Et je vais lire. Alors, je vais scanner toutes les touches. Hein. C'est proprement inutile. Et ensuite, il faut que je regarde ce qu'il y a dans keyboard buffer. Et c'est là que ça devient rigolo. On va regarder le site de Quasar. On a l'habitude, PPI, PSG, donc PPI. Et voilà. Donc si on veut regarder la flèche. Alors ça c'est pour le curseur. En même temps, CRTCQ, ben, marche pas sur. Enfin, elle marche sur une seule GX, celle de Piotr, de Zaxxon. Sinon elle marche pas sur les GX. Mais on pourrait dire qu'on peut tester le curseur et le joystick. Donc ligne 0, bit 1. Noter ça, flèche droite c'est L0 bit 1, flèche de gauche c'est la ligne 1 bit 0, et le joy c'est ligne 9 0 1, c'est le bit 2 et 3. Ok, donc ceci étant fait, je peux. Non, c'était pas ça. C'est quoi? Elle est où mon autre. Ouais, elle est là. Je voulais. Juste vérifier ça sur les touches. C'est-à-dire qu'ici on appelle scan keyboard joy update. Donc on prend bien la ligne 9 et là je faisais RRA. Ah oui, parce que je touchais à haut et bas. D'accord. C'est quoi ça, JRNC? Ah oui. Attends, je le faisais pas, ça. Si je fais un JPNC, quand je fais un RRA, je fais un JPNC.
Demain, Paco fait un débrief de l'alchimie. Alors, du coup, on en était là. Donc ici, c'est plus 0. Et ça, c'est pour aller à droite. Alors, pour aller à droite, c'est ça. Scroll right. On prend la ligne du dessus. B scroll left. Sauf que il nous faut ça. Et que il faut aussi autre chose, c'est que quand on fait B scroll left, alors on fait normalement deck, non, c'est pas deck A parce que là il y a un CP50. Inc A. Normalement, c'est ça. B scroll left et B scroll right. Et un deck. Voilà. Donc là, normalement, on gère le clavier. Est-ce que ça a super marché? Je suis pas sûr, hein. Mais on peut se prendre à rêver. Je suis quand même hyper perturbé par ce rasme qui rame là. Ça me vexe. Et là, c'est toi le point zip. Alors qu'est-ce qu'on a? Non, mais j'ai plus le truc. Dans mes archives, j'ai quoi? Ah, puis version des archives, elle marche jamais. Si j'ai le 115 là. Je suis sûr qu'il marche pas là, celui-là. Non, celui-là. Est-ce que ça va compiler? C'est pareil, c'est lent. Bon, ben voilà. Faut que je trouve ce qui va pas là. Il y a un truc qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé. Alors, previously defined, et eh oui, dans l'init, puisque dans l'init, relative offset to far, ben oui, dans l'init, qu'est-ce qui se passait? Je teste une cheat part. Bon, du coup, je vais quand même garder, je vais rester sur celle-là en attendant. Je vais modifier, c'est toujours plus rapide qu'un orgasme. Oui, c'est mieux que ça dure un petit peu plus longtemps. Alors, on retourne dans notre ami le Fong, c'est newfong keyboard. Alors, Fong scan keyboard. J'aurais pu faire un. Tiens, ben là d'ailleurs, je vais le faire. Là. Un label local, hein. Ça n'existait pas encore. Enfin, un label de proximité, ça n'existait pas encore quand j'ai codé la démo. On va faire fond keyboard buffer, on va l'appeler comme ça.
Et... Je fais ça vraiment à la va-vite. Hein. JB le daron. Ah merde, c'est la fin. Non, pas encore. Alors, Daron, puisque tu viens d'arriver, je suis en train de modifier la CRTC Cube. Alors, j'ai déjà mis un nouveau serval retravaillé. Et puis là, je suis en train de modifier le code de la guêpe pour la rendre interactive avec le curseur. Donc là, je vais déjà essayer de faire le gauche-droite. J'ai absolument pas préparé le stream, j'ai pas mis le nez dans le code depuis 2 ans. Touk, 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 touk. Alors attention Daron, parce qu'on va voir le serval. Le nouveau serval. Boum! Ah, il est vachement plus joli. Hop, on continue. Blablabla, 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 blablabla. Et là, normalement, est-ce que ça va marcher? Elle bouge pas. Voilà. Elle est tout le temps sur le même X. Là, j'appuie sur la flèche de droite. Ah, par contre, elle revient par défaut. Elle revient tout le temps sur. Ah, je sais pourquoi. J'ai mal fait mon test. Voilà, c'est-à-dire que là, effectivement, là, j'appuie que sur une seule touche. Car quand je relâche la flèche de droite, elle va à gauche. Mais sinon, quand j'appuie à droite, elle va bien à droite. Donc là, déjà, on a cette partie. Oh. Elle a disparu. Je crois qu'il y a un petit test. Alors soit c'est la musique, soit c'est la musique qui a fait planter. C'est quoi ça? C'est PHPC partout, c'est en train de péter. Donc soit c'est la musique qui a fait planter. J'avais peut-être une durée qui était limitée. Soit ça a daubé. Alors, bon, en tout cas c'est. Ça fait presque ce que je veux. C'est bien, c'est plutôt bien. Alors, pourquoi? D'abord, on avait dit que c'était le bit 1. Et là, j'avais fait JPNC. Ok, et sinon, je prenais ça. Ah oui, bah oui, c'est scroll left. Mais oui. Mais si je touche pas aux touches, faut que je m'en aille. Oui, parce que sinon, voilà, errette. Sinon, effectivement, c'est toujours comme si je demandais d'aller à gauche. Donc c'est pas bon. Ok. Donc ça, d'accord. Ok. Alors du coup, ici à ce moment-là, Bscreen pose X. Donc là, c'était avec notre coup du HL. Alors du coup, voilà, ça doit faire hurler Golem parce que. Parce que si on a un registre qui est déjà avec la bonne valeur, autant utiliser ce registre. Ok, donc là on a dit qu'on a ça. Et du coup, pour faire le haut et le bas, comment ça se passe le haut et le bas? Bscroll horizontal. Ça, on est bon.
Est-ce qu'il y a un biscroll vertical? Sinus. J'aime bien les commentaires. À quel endroit en est-on niveau timing ici? En plus, c'est pas ça, quoi. C'est les points d'interrogation. En fait, je sais pas ce que je fais. Int bis set scroll. Ok, bon, ça d'accord. Set scroll, gna gna gna. Scroll horizontal. Bon. Tempo. Ok. Alors, je vais quand même vérifier mes touches. Et que mes deux touches fonctionnent et que je peux aller en butée sans que ça plante. Oh, ça va me chauffer là. Je suis pas habitué à attendre 10 secondes pour une compile là. Ça va vraiment me chauffer cette affaire là. Ok, MV Rasmut. Je vous dirai tout à l'heure, quand j'arrêterai le stream, je vous dirai si ça vient d'OBS ou pas. Moi, je vous cache pas que ça m'inquiète là pour le moment. J'ai peur d'avoir tout pété. Alors, F4. Alors, vous allez devoir supporter, donc, certes, que ces cubes ont accéléré plusieurs fois. Ça, je peux vous dire que j'en ai bouffé un paquet de fois quand il fallait mettre au point à la fin de la démo. Alors. On commence à combien? Bim, elle est au centre. Je demande d'aller à droite. Je demande d'aller à gauche. Donc là, je suis embuté. Je peux pas aller plus loin. Je vais de l'autre côté. Voilà. Donc en fait, c'est quand l'effet est terminé. Bon, là, pour l'instant, par contre, elle fait le. Vous voyez, le haut. Là, elle fait tout seul le haut bas. Par contre, et ce mouvement de s'orienter, ça fait partie de la séquence d'animation. Je vais pas y toucher. Par contre, la déplacer. La dé. Boum. Ouais, c'est ça. Ça, c'est parce que j'ai forcé le. Je dois pas faire de reset de la musique, j'ai forcé l'effet à continuer. Ok, donc ça marche. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est le tu-tu-tu. La position en Y, il faut que je retrouve où c'est. Et ben, que je rende ça interactif. Voilà, les private jokes de Solo Renzo. Alors déjà j'ai viré un truc. Ah oui, j'avais dû mettre infini. Voilà, ici. Donc c'est à cause de ça. Je vais le laisser sortir, hein, pour m'assurer que c'est bien à cause de ça que ça plante. Voilà, sinon on a le. Ouais, voilà, c'est surtout ça qu'il faut faire. C'est tout de suite faire le. Stop musique. TikTok. Donc ça c'est fait. Je voudrais voir la ROM là. Donc normalement, lui, il sert plus à rien. Ah ben voilà. On a Y sinus 1, Y sinus 2. Oh, ça sert à rien, on s'en fout. Voilà. Et c'est ici. C'est ici qu'on est. Voilà, donc là on a sinus 1, sinus 2, on fait un add, et ensuite on vire un bit de virgule pour accéder à un tableau de 2 en 2. Ok, ça me va. Jusqu'ici ça va. Ah, c'est qubit split table.
Split 8 en 8, interruption au même endroit, activer les couleurs, gna gna. Donc ici, à cet endroit-là. Ici, à cet endroit-là, sachant que normalement on a déjà récupéré notre keyboard, et ben on va. Alors, alors du coup, faut que je reprenne notre petit guide de Khazar. Donc cette fois, je veux le haut, le bas. Alors, le haut. C'est L0 B0, le bas c'est L0 B2. Pour l'instant, je fais que le curseur. Hein. Au final, en plus, vu que je vais virer, là je vais virer pas loin de 1 kilo-octet de table, je vais gagner de la place. Ok, donc ça, on dégage. Ah, t'as balancé mon anecdote sur le live. Ah non, mais y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de. Comme je t'avais dit, hein, moi, ça m'avait fait hurler de rire. D'autant plus que j'avais pas appuyé sur échappe en regardant. La démo. Non mais attendez, moi je vais vous retrouver ça. Non, tant qu'on y est, on va expliquer les private jokes. C'est cette démo-là. C'est cette démo-là. Après. Ouais, mais personne n'a appuyé sur échappe dans le. C'est une démo rigolote. Voilà, donc si vous voulez la. Alors par contre, il faut la télécharger du coup, parce qu'en YouTube, ça marchera pas. Vous téléchargez cette démo, la chien de lit de bombe, et vous appuyez sur échappe. Et ça, c'est une grosse blablague de pâte à pommes. Tiens, d'ailleurs, tant que j'y suis. Ah, j'avais pas mis. Tiens, ça t'apprendra. Bref. Connu celle-là, CMP? Ben écoute, tu la relances sous DOS et t'appuies sur échappe dès le début. Enfin, dès le début. Quand la démo commence, t'appuies sur échappe et tu me diras si t'avais vu ça à l'époque. Alors, donc ici, on disait, voilà, là on lit blablabla. Donc ici, on prend le sinus, on prend une valeur. On l'ajoute, on fait ça. Ah, il y a juste un truc que j'ai pas vérifié. Attends, il y a juste un truc que j'ai pas vérifié. Du coup, je vais retourner dans ma référence que je n'ai heureusement pas pété. J'ai pas vérifié les adresses. Enfin les adresses, les valeurs. Alors sinus, c'est 32 fois 32 et c'est 40. Donc on a de 0 à 80. On a de 0 à 80. Et on a de 0 à 64. Ce qui nous donne des valeurs de 0 à 144. De 0 à 144, et ensuite on fait un AND dans le code.
Là, je reviens là. Ensuite, on fait un AND. C'est-à-dire qu'il dit on vire le bit parce que moi j'additionne les deux. Donc je peux me retrouver au pire à 144. On fait un AND. Alors. De toute façon, il me faut juste le A. Allez, on pète tout. Oh merde. Qu'est-ce qu'il m'a fait? U. Non, bon. Voilà. Alors. Tac. Sinus offset 1. Du coup, je fais LDA, virgule, fong, keyboard, buffer. Enfin, c'est la ligne 0, le bit 0, donc RRA, c'est JPNC, virgule, key up. RRA, RRA, JPNC, virgule, key DW. Je vais faire un JR no key. Ah, alors par contre, c'est pas exactement ça. Il me faut quelque part. Bon, ici, par exemple. FB50, ouais, pose Y. On peut faire un truc comme ça. Loki. Alors, key up. Tiens, d'ailleurs, je vais faire plutôt LDHL my pose Y. Key up, moi j'aurais dit un truc genre DHL. DHL, blablabla. Ah non, ça met que le flag Z. Non, ça doit mettre le. Est-ce que ça met la carry quand on fait un. Quand on arrive à 0. Non, ça non, c'est quand on est en dessous de 0. Ah oui, quand on arrive à 0, ça met le Z. Par contre, si, ça va mettre la carry. AC. Ouais, mais ah non, ça marchera pas. Non, mais ça me fait chier. Bon, DHL, et puis tu me diras. Je peux. Non, ça va être un peu bourrin, quoi. C'est dégueulasse comme code, Golem doit être horrifié. Allez, qui des CP 144 145 CP 145 JRNZ.next. DHL. Next, ah, puis je vais même mettre celui-là, c'est dégueulasse. JRNoki, je tiens plus sur ma chaise. Voilà, et eh ben, allez, on rock'n'roll. Vas-y, on compile. Mais quelle horreur, on dirait du SJASM.
Alors, une petite cartouche. Pan, 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 je lui mettrais bien une cartouche. Pas du tout. Voilà, ça c'est les mouvements de base. Et là effectivement je la fais monter. Je la fais descendre. Voilà, donc là je peux. Par contre du coup quand elle bouge pas du tout, quand elle reste figée, tout de suite c'est quand même moins impressionnant. On voit que le corps est. Donc, ce qui serait pas mal, je pense. Ouais, donc c'était le plantage tout à l'heure, c'était bien ça, c'est qu'on arrivait en bout de musique et le player il plante. Donc ce qui serait pas mal, cette colonne vertébrale est vraiment très organique. Yes, hein. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on conserve quand même pour le Y un petit une petite ondulation, un petit quelque chose, parce que sinon ça va vraiment faire moche. Tac tac tac. Fong new fong. Alors déjà il y avait un truc que je voulais modifier aussi. Curseur data, curseur copie. Il y avait un truc avec le clignotement du curseur. Be start to draw. Be draw. Be connect. Biséquence. Calage l'arrache, magnifique. Alors, upper lower, 144 max, gna 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 gna. Ça, c'est les vecteurs. Les vecteurs, les vecteurs. Motion, be draw layers. Mais c'est pas des positions en plus, c'est des couches. N'importe quoi, là, toi, c'est draw layers loop, c'est pas une B position. C'est le nombre de couches à afficher, quoi. La texture. Là, je cherche où les bicéphales tu te prends pour Rhino. Alors, bien remove, bi machin, interruption TikTok. Ah, curseur blink pendant 5 secondes. Ah bah oui, j'ai un petit. Voilà, donc le curseur il blink pendant 5 secondes. Curseur off. Et là, sinon, je fais un hand toutes les 32 frames. Et en fait, eh ben, il faut juste l'empêcher de mettre à jour, de ne pas mettre à jour curseur blink. Et comme ça, le curseur, il va clignoter tout le temps. Donc le curseur il va clignoter tout le temps si je fais ça. Tac tac tac. Donc ça c'est fait. Et on a dit du coup. Ah ouais, on voulait un petit sinus. On a dit qu'on voulait un petit sinus. Donc là, j'avais un petit truc là.
Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un petit DFB combien? Un petit truc, vraiment un petit truc, enfin, un truc tout petit petit. Petit, on va faire quoi? 8. Sachant que ça va être divisé par 2. Hein. Allez, 6 fois sinus de angle plus 6. Angle égale angle plus 360 divisé par 256, mais en fait, faudrait qu'il soit un peu rapide, donc on va dire x 4. Ouais, on va faire un truc comme ça. Et du coup, ça s'appelle mini sinus. Donc on va revenir à CP 145, voilà. Donc là, ici, on va faire CP 10. Je dis combien? Je fais 6, 6, 12. Donc combien j'ai fait là? Puissant hein, le DB en sinus, ouais. Carrément. Ah mais non, j'ai dit 6. Et ben je vais faire 6. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Là, je vais faire 6. Là, je vais faire 139. Voilà. On va borner un peu plus. Alors, LDA virgule HL. LDHL virgule, virgule watt, virgule mi sinus. Ben là, je fais ADHL, INC L, LD, LD watt. Bien goré, ça me plaît bien. Du coup, comme c'est bien goré, ça me plaît bien. Tac tac tac, est-ce que ça va suffire? Sauf que du coup, il me faut pas faire plus 6, faut le laisser aller en négatif, tout simplement. On va le laisser aller en négatif. Sérieux, ça me saoule. Attends, c'est ce que je vais faire. Non, parce que c'est peut-être mis mon livre de DFB. Je ferais bien un petit truc là sur. Vite fait comme ça au passage. ADHL, je faisais toujours ADA virgule HL dans Winamp. Ah ouais, bon, on peut faire les deux. Alors ça, c'est un truc aussi qui va être dans la prochaine version. C'est qu'on m'a demandé de pouvoir faire ADA virgule HL. Bon, bah écoute, si tu veux le faire, fais-le.
Alors là, du coup, j'ai rajouté une trace à chaque fois que je change de banque parce que je me dis qu'il y a une banque en particulier, probablement, qui doit le faire ramer. Je sais pourquoi ça rame. J'ai arrêté. Ah, ça m'énerve. Ah, c'est chiant. Je sais pas. Non, mais c'est bon. J'ai même plus à. Putain, c'est pas possible. Je me disais, voilà. Je me disais, c'est pas possible. Pourquoi ça rame? C'est ça. J'appelle Exomiseur. C'est pour ça. Il y a du. Il y a, parce que, en fait, quand j'étais à l'alchimie, et que j'ai rajouté des choses. J'avais besoin de rajouter des choses. Et à la base, la cheat part. Elle était en. Je sais plus, elle devait être en LZ48. Et je me suis retrouvé, mais à un poil de cul près, ou alors c'est au niveau du scroll, je me suis retrouvé à un poil de cul près à déborder de ma banque. Et du coup, j'ai utilisé Exomiseur. Et donc, effectivement, le moindre appel à Exomiseur. Surtout que là, doit y avoir. Ouh là là, il doit y avoir au moins 4 kilos à compresser. Et du coup, ça rame. Mais. Putain, j'ai une bête de course là comme machine. J'ai pas pourquoi ça rame. Alors. Voilà. Ici, il y a un LZ Exo, c'est-à-dire qu'il assemble le truc, et puis après, il appelle Miso Miseur. C'est bon, je suis rassuré. Voilà, ouais, on a vu toutes les banques. Bam! Toutes les banques. Donc ça a défilé d'un coup. Et en fait, c'est la dernière où il y a la cheat part. Il nous fait des trucs comme il rame sa mère, c'est hallucinant. Et là, boum. Oh tiens. Et d'un coup, ça se débloque. D'un coup, il a terminé son misou misou. Et voilà. Putain, je t'en foutrais du misou miseur là. Voilà, donc non, Rasm est toujours aussi rapide, pas de panique. Allez. Alors, Rasmut. S'en servir, c'est celle-là. C'est le temps de compression rébarbatif. Voilà, donc là déjà, voilà, j'ai rajouté le petit sinus, elle bougeote, voilà, ça bougeote un peu. Ah, j'ai réussi. Ah, quand je la mets, j'ai réussi à la mettre un peu plus. Ah, ouais, j'ai dû me planter dans mes valeurs.
puis elle monte. Elle monte pas vite. Hein. Bon, parfait, le curseur continue de clignoter jusqu'au bout. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà, bon. On va peut-être pas y passer. On va peut-être pas y passer la nuit. Je suis pas trop mécontent de cette petite session. Voilà, donc j'ai intégré facilement le serval. Attends, on va repasser. Monsieur OBS, voilà. Voilà, donc j'ai intégré facilement le serval. J'ai mis une gestion clavier depuis. Enfin, pour la guêpe. Donc éventuellement je vais rajouter enfin là ce que je pense que je vais faire, je vais augmenter un peu le sinus. Quand on appuiera sur les touches, ça fera pas juste un ing, ça fera un add 2, quoi. On va aller de 2 en 2 pour que ça aille plus vite. Et puis bon, après il y avait peut-être éventuellement 2-3 init, quelques manips à faire pour être plus propre, et puis du coup on pourra sortir la CRTC Cube en version 1.1 final release, la vraie final de final. Eric, tu sais que t'as affaire à un vieux quand il dit serval au lieu de Wolverine. Exactement, moi j'ai connu c'était Strange, c'était un les Strange, hein, ça c'était pas moi qui les avais, c'était mon cousin qui avait plein de Strange. Et je kiffais le serval. Alors bon, c'est vrai que des fois le slip marron et jaune, c'était. J'aimais bien quand justement les X-Men avaient récupéré leurs belles combinaisons. Ils avaient des combinaisons bien moulantes, tout en noir, un peu luisantes. C'était sympa. Voilà. Guy l'éclair, énorme. Énorme Guy l'éclair. Voilà, voilà. Bah écoutez, voilà, c'était un peu de programmation en direct. Que dire de plus? Que dire de plus? Que je vais continuer à bosser plutôt, ouais. Bah, le soir, le week-end. Hein. Donc sur Rasm, pour faire mardi dans 7 jours exactement. Mardi prochain, je vais faire. CMP m'a demandé, donc un peu de Rasm from scratch. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais faire du Rasm simple et complexe à la fois. Donc essayer de montrer un peu surtout les dernières nouveautés, les petits trucs pratiques, les trucs qui font gagner du temps. Donc comme on l'a vu ce soir, pour gagner du temps, ne pas utiliser la compression Exomizer intégrée. Puisque Exomizer est lent. Rasm est rapide, mais Exomizer restera toujours Exomizer. Voilà. Et ben écoutez, moi je vous dis à une prochaine fois. Et puis, je vais aller sur le chat, mais voilà. Le mystère de la lenteur de Rasm est résolu. Allez, ciao tout le monde.